Est-ce qu'on te connaît, t'es bon délégation colombienne qui rentrait en Haïti? En toute discrétion. Ou ka pose tête une petite question pour demander qui ça yo te vin faire? Qui est-ce yo te vin rencontrer? Nan ki objectif yo vin sous sol là? Qui personnalité yo te parlé avec yo? Bagay yo grave. Nan moment n'a parlé à bagay yo grave puisque Colombien ça yo rentré en secret, yo rencontré des officiels Haïti en secret jusqu'à ce que information yo fuité yo pral la rue, ou pral kon tout détail yo nan yon ti moment. Commissaire gouvernement Jacques Lafontaine li annoncé que service renseignement paquet a fait konnen genyen plusieurs acteurs politiques dans opposition nèg sa yo ki signé accord 11 septembre avec Ariel Henry, bien entendu messieurs et dames sa yo, yo genye complot assassinat sous do yo. Qui est-ce qui mette complot sous do yo? Est-ce que réellement gros complot qui existait ou bien c'est diversion qu'a fait au plus haut sommet de l'État? C'est tout bagaille ça yo nous pral garder ensemble, nous pral traiter information yo, nous pral analyser yo pour nous comprendre plus bien réalité qui gagne sous scène politique en Haïti. Bonjour, bonsoir tout le monde, bienvenue ou sur TAC 509, tout haïtien connecté ou dans l'émission Mon Éditorial avec Yannick. C'est toujours un plaisir pour nous croiser, pour nous parler pays, pour nous faire débat et surtout l'actualité en chauffé comme ça avec malversation que Negio a fait sous sol là dans tête l'État ou supposé qu'on est point par point qui s'est passé. Ou supposer qu'on ait tout détail yo. Donc c'est objectif là ça et donc on est apprendre nous ça qui a passé bon information yo analyser yo avant pour comprendre plus bien ça qui a passé en Haïti là. Déjà m'a invité au partager et vidéo et sur fait tomber sur channel là, pas oublier abonner avec nous et toujours songer activer petite cloche notification. Dernier mois c'est qui ça lié moi maintenant en pile, moi maintenant en pile en pile en pile en pile et travail là pour continuer pour nous avec nous et pas qu'à continuer sans nous même. On allez des micro présentations, c'est toujours Yannick même voix, rien pas changé. C'est l'heure du débat. Yannick à l'appareil pour analyser et commenter. Tous les jours, à partir de 2h, suivez sur votre chaîne Mon Éditorial avec Yannick. Les grands dossiers seront débattus à l'heure de cette émission. Alors, soyez les bienvenus. J'aime déjà annoncer dans le commencement de l'émission. Moi dis nous une délégation colombienne qui rentrait en Haïti vient rencontrer des officiels de l'État. Nèg ki nan pouvoir, nèg ki nan gouvernement k'ap coupé raché. Maintenant, c'est poser tête aux questions, qui est yo te rencontré, qui ça yo te parlé, nan qui objectif rencontre si là ou bien réunion si là li te fait. Eh bien, la date 5 avril qui t'est passé, hein, malgré nous, ouais, autorité, yo, nous, la primature, fait tweet à gauche, tweet à droite, etc., etc., four et bouche, tout ça, pas regarder. Mais quand il s'agit des intérêts, là, c'est pour yo, là, c'est pour yo alerter population haïtienne, non, sous bagay kap bon pour pays, yo, sous bagay kap fait, non, non, Haïti, y'a pas fait, li. Donc, sinon, ou t'as pour sous page officielle primature, là, que t'es bon réunion, t'es bon délégation colombienne qui t'es rentré, mais qui ça t'es dit avec yo, maintenant qui objectif yo t'es rencontré yo, mais qui est-ce qui t'es composé que c'est délégation colombienne, que c'est délégation haïtienne, etc. Ou t'as besoin de toutes les informations, ça, yo. Mais là, c'est pas qu'a fait dans toute discrétion. Le c'est bagaille qu'a fait et dans ça qui gagne pour avec dossier assassinat président Jovenel Moïse, y'a pas parlé. Yo pas parler et faut qu'on gagne des séries de monde de confiance, des sources de confiance qui ka informé ou faut qu'on gagne des côtés ou ka chercher information, ka puiser information pour partager là avec grand public là. Donc on va comprendre je dis qui ça fait nèg pas trop vle question média en ligne fonctionner parce que gagne quelques vérités c'est là pour qu'on ait yo, c'est avec média en ligne pour prendre connaissance de yo. Eh bien, c'est qu'avril passé a dans la délégation colombienne, moun ki te nan tête délégation colombienne, c'était vice-ministre affaires étrangères colombien qui c'est Francisco Echeverri. Li débarqué en Haïti avec différentes personnalités colombiennes, yo te vin rencontrer précisément et délégation haïtienne ça qui te gen nan tête le premier ministre de facto Ariel Henry. Li te gen là dans le ministre affaires étrangères Jean-Victor Généus, li gen là dans le ministre
de la justice Berthaud Orsay, étant donné que Lise Kitel probablement li pat Carvini, etc., li voye yon représentant, yon délégué pour ministère intérieur là, qui lui-même li te là pour l'assister avec réunion ça. Maintenant, réunion qui fait en toute discrétion, loin de la presse, loin de tout le monde qui vient poser questions qui censé, questions qui important qui aider dans déroulement enquête sur assassinat président Jovenel Moïse. Bien entendu, délégation colombienne yo même, yo gagné des exigences yo fait avec Ariel Henry. Yo mandé Ariel Henry un paquet de bagaille pour colombien yo. Cependant, Ariel Henry lui-même par rapport avec accusation que même délégation ça a metté sous dol dans ça qui gagne pour avec falsification preuve, yo dit ça très clairement que dossier assassinat président Jovenel Moïse, jodi an la yo fè konnen délégation qui vini et par le biais de ministre vice-ministre affaires étrangères colombien Francisco Echeverri, yo fè Ariel Henry avec reste membre délégation la konnen que gagné falsification de preuve dans dossier assassinat et président Jovenel Moïse qui permet jodi an la des séries de nèg qui dans gouvernement des séries de nèg qui allié avec gouvernement qui proche gouvernement Ariel Henry yo déchargé de toute responsabilité yo gen yo mettait toute chaillonnette sous le colombien c'est ça et représentant colombien yo fait comprendre. Maintenant, par rapport avec des séries accusations ça que Colombie fait sous Ariel Henry fait sous le gouvernement Ariel Henry, faut qu'on pose tout des questions réellement pour comprendre ce qui a passé là. On nous garder, on nous prend un petit recul pour garder tout bon qui ça a passé en dedans dossier Jovenel Moïse. C'est colombien bien entendu yo dou qui a assassiné président Jovenel Moïse avec complicité et c'est agent de sécurité ou bien Dimitri qui n'a pénitentiaire national qui c'est chef USGPN ou bien la guerre civile USP etc etc donc c'est moun sa yo qui bay colombien au support c'est moun sa yo qui participe dans réunion dans complot pour touyer président mais jodi an la colombien nous considérer colombien comme des exécutants au même titre que complice sa yo qui n'a pénitentiaire national là des haïtiens. Mais si Colombien aussi exécutant yo ye, si Colombien yo était sous place pour aller touyer président yo rentré etc kay président comment fait nous passer trois juges instruction sous dossier Jovenel Moïse on passer Mathieu Chanlat qui lui-même il pas même prendre dossier il retirer col il désister ou vinn joindre Gary Aurélien qui passait 3 mois sous dossier à la pince sous dossier pas une fois yo pas relé Colombien yo pour yo auditionner Colombien yo qui ça ba ou comme excuse qui ça Gary ba ou comme excuse qui ça et pouvoir exécutif la ministre justice ben comme excuse etc. Il faut comprendre pas des traducteurs pas des monde qui pour et traduit pour colombien etc. Mais ou pral ouais premier ça qui gagne pour ouais avec respect droit moun yo pas fait et n'importe avocat colombien ou t'apprend là démonter dossier nan men yo pour qui ça parce que l'on arrête un moun n'importe moun ou arrête ou gagne droit li gagne droit pour gagne avocat. Jusqu'à date, Colombien n'a pas aucun avocat commis d'office, n'a pas aucun conseil juridique qui a assisté. Et c'est une des choses que délégation, chef de délégation colombienne, n'a exigé. Faut 18 Colombiens qui sont dans la pénitentiaire nationale, faut qu'il y ait un avocat qui a assisté. Faut qu'il y ait un avocat qui campe avec eux pour défendre les droits, etc., etc. Bon. Bien entendu, Berthaud Orsay répond, Ariel répond, que vous pral bayo le plus vite au conseil juridique des avocats commis d'office qui pour assister. Qui le a bayo, qui le a pas bayo, ça nous l'a suivre. Ça qui est plus important pour comprendre. Yon pa bayo colombien yo. Yon pa bayo colombien yo avocat. Ça c'est youn. Mais, ou senti que Gary Aurélien lui-même jodi a qui yo retiré sous dossier a yo te prend dossier nan men avant même que il te désisté il te retiré col ou vin trouve une situation que on dirait nèg yo se di yo te di Gary Aurélien parler les colombiens pas entendre colombiens c'est pas traducteur qui manque dans la république va les jeunes qui bon m'ai l'impression gars haïtien là qui parle plusieurs langues qui t'est prêt même pour faire bénévolat pour travailler son good juste pour qu'on connaît exactement ça qui t'est passé dans le dossier assassinat président nèg yo choisi délibérément yo choisi yo pas entendre colombiens pour pas
pour pas ba information yo konnen combien moun nan gouvernement te vini chita avec yo, combien moun nan gouvernement yo ka identifié et yo konn al nan réunion avec etc. Parce que tout yé président Jovenel Moïse, assassiné président Jovenel Moïse, jodi an la, le fait que Ariel Henry qui se chef gouvernement li genye des accusations sous dol, déjà ka comprendre nan ki logique président Jovenel Moïse mouri, ou ka comprendre nan ki logique et dossier assassinat. Ou ka déjà, ouais, est-ce que dossier ça l'a fait avant? Est-ce que dossier ça a pris ton seul place? Ou bien est-ce que dossier ça, son dossier cap tout mouri, cap tout classé et puis fini, classé sans suite, c'est fini? Parce que jusqu'à date, jusque là, pas gagné sérieux cap réglé. Et puis, n'a pas avancé toujours. Quand il y a le, yon fin soulevé point qui gagne pour avec falsification preuve, falsification indice, etc. Et surtout, le, nous te wè et gouvernement prend décision pour yon incinérer, pour yon enterrer, pour yon enterrer trois Colombiens ça yon qui te stoppé en Haïti. Yon te gagne échange de tir après yon fin assassiné président, yon te population te arrêté Colombien, la police te arrêté moun, te gagne échange de tir, etc. Eh bien, famille yo même yo poko jam ka comprendre jodi an la nan ki circonstances qui fait l'état haïtien décider incinérer yo dou encore c'est pire c'est falsification preuve c'est preuve y a caché c'est preuve y a enterré parce que si yo te quitté occasion pour yo te faire autopsie cadavre sa yo te ka jwenn paquet indice côté que l'état haïtien autorité haïtienne yo participé au plus haut niveau dans assassinat président. Mais ça nous connaît les Ariel, yo dou Ariel la dedans. Est-ce qu'on cap chercher autorité au plus haut niveau toujours? Jodi an la, autorité visible, autorité publique la qui est signée par Ariel Henry, yo dou li la dedans. Li la dedans avec tout reste corps race génération, tout le monde allié yo. Donc ça allié évident, li clair. Maintenant, exigence qui gagne pas bon côté l'état haïtien même, yo mandé à ce que Colombien yo vacciné. Ça c'est représentant ministre de l'Intérieur là. Yo dou faut Colombien yo vacciné. Le yo mandé ça qu'il n'y a pas bon côté délégation colombienne. N'a pas vraiment bon réponse qui baille parce que yo estimé que Colombien yo pas ka vacciné sans que et pour Covid là bien entendu. Colombien yo pas ka vacciné comme ça c'est que pas gagné des représentants yo qui là, ça yo pas testé et pour yo est-ce que ces vaccins ba yo va prendre en façon pour yo protéger. Pour protéger Colombien. Est-ce que Colombie a avalé vraiment? Est-ce que Colombie a vini, a voué représentant pour leur état décidé de vacciner et accuser pour yon bayon vaccin COVID là pour yon connaît effectivement, est-ce que c'est pas Jean-Gilbert Dragon passé, est-ce que c'est pas même Jean, yon besoin faire Colombien yon passé, parce que Colombien aujourd'hui, qui c'est des exécuteurs, considéré yon comme moun qui te appuyé sous Zamna, comme moun qui te appuyé sous bat baseball, sous manchette là, etc., sous couteau. Donc, moun sa yon gen des questions pour yon répondre. Honnêtement, ça me dit nous là, faut que nous prenions très au sérieux et faut que nous comprenions ça me dit nous là oui. Moi-même pas jamais osé me venir défendre Colombien. Colombien ont pas qu'être étranger mélangé avec haïtien, yo rentré dans pays, yo viennent assassiner président pays nous que au terrain Jovenel que pas terrain Jovenel, Jovenel c'était président pays nous. Donc pas jamais ca et venir demander faveur, venir demander grâce pour Colombien, ça pas gain pas ça c'est pas négociable du tout, non négociable. Comme t'as demandé faveur grâce pour Colombien. Mais gon bagay nous doit connait, gon bagay nous doit surveiller jodi an la. Gardez Jean-Gilbert Dragon mouri en dedans pénitencier national qui te gagne des informations capitales dans dossier assassinat Jovenel Moïse. Regarde Jean le passé. Et si on dou Colombien aux exécutants yo, si on dou Colombien qui organise tout bagay et Colombien même yo rive yo dou gen l'autre moun nan gouvernement, gen l'autre moun nan pouvoir au plus haut sommet qui la dans tout. Maintenant, là où est l'autorité haïtienne, là où est le ministère de l'Intérieur, ça revient avec le dossier COVID pour le vaccin. Faut que nous prudents. Non seulement, faut que nous prudents nous-mêmes haïtiens, mais faut que la délégation colombienne nous prudents. Tout pour qui ça? Parce que si nous avons qui dans l'état là, qui a à côté Ariel Henry, qui a passé Ariel Henry, l'ordre ou bien mon Ariel Henry a caché, etc. Qui yon même yon connaît doit être trempé dans l'assassinat président Jovenel Moïse. Si c'est Colombien yon ka identifié quelqu'un moun qui était l'autre moun qui dans réunion, l'autre moun qui était proche Ariel, qui dans réunion, yon ka toujours les éliminer. Est-ce que nous comprenons la réalité? Donc, si pour yon tabaye Colombien yon vaccin, ok, oui, pénitentiaire sur la population. Oui, prison, li plein moun. Mais bon, dis non, bagay. C'est pas premier prison qui plaît monde d'ailleurs en Colombie, c'est ça qui pas manqué. C'est ça qui pas manqué prison
prison sur population carcérale, moun sou moun, tant que sardine, c'est ça. Et pas Haïti seulement comme ça. Mais il faut que vous protégez les Colombiens parce que vous avez des réponses que vous avez besoin. Les Colombiens sont cabanoul. Gè des réponses n'a besoin sous moun l'autre moun colombien ont été identifié ka identifié terre dans réunion etc. mais mon foi faut que yo la pour banoul mais tout faut que délégation colombienne n'a pas mettre dans tête puis que colombien aussi en vacances yo té rentré en Haïti c'est touriste yo té vinn faire etc. et si yo arrêté yo faut que ta dans luxe faut que yo ta à l'aise etc. non ba yo pa jwet pa gen c'est pas la retraite colombien yo devini si yo te besoin vin à la retraite yo t'ap rentré et yo t'ap rentré même j'avec tout le monde qui vient visiter ton pays yo t'ap plon chambre hôtel yo pa t'ap pral participer nan complot yo pa t'ap pral participer nan assassinat au président. Est-ce qu'on comprend? Donc je dis en la vérité on bon oui faut colombien yo jwenn protection pour yo pas passer même j'avec avec Gilbert Dragon parce que yo gen des réponses pour yo bay et je dis en la le fait que Gilbert Dragon passe comme ça. Moi ouais pas gen moun ki di why. Moi ouais comme si ça pas interpeller nous pas soulever des points pour nous dire qui ça passe comment le fait passer etc. ou bien pour nèg yo ba nous réponse pour te gon autopsie qui fait pour nous connaître est-ce que c'est empoisonnement est-ce que c'est assassinat ou bien est-ce que c'est covid qui touye le nous pas jamais faire ça nous pas jamais mande autorité ba nous explication. Maintenant si nous ta quitter même bagay ça a privé comme ça c'est comme on bon matin ka lever autant de tout suspect dossier assassinat Jovenel la mourir le bon matin là au chalet touye colombien yo. Non, pénitence, yon pas habitué à chaleur. Ça, yon trop maïngouin, mordé, yon mourir. Et puis, yon règle pose yon avec yon. Non, c'est pas blague. Nous obligez mande pour yon protéger yon parce que si c'est yon gen réponse pour yon doumé qui est en plus yon te wè dans réunion, te rencontre dans réunion, faut que yon la pour yon di vérité. Faut que yon la pour yon di vérité. Parce que dossier assassinat président Jovenel Moïse, li pas ka enterré comme ça. Si l'enterré pour Jovenel, combien l'autre moun? Combien l'autre jeune, je dis là, qui ont vision pour Haïti, qui prêt pour bataille pour Haïti, qui prêt pour aller jusqu'à la fin pour Haïti, pour la risquer Paul Boudoul pour aller dans l'élection? Les risquer passer même avec Jovenel Moïse? Les risquer passer même avec Jovenel Moïse? C'est aujourd'hui pour nous mettre balisant. C'est aujourd'hui là pour nous empêcher un groupe nègre, pour comprendre c'est eux-mêmes qui mettent pays, pour retirer ça dans la tête, que c'est mettre seigneur en Haïti, y'a rien droit de vie, y'a rien droit de mort, etc. Sous nous, non! Non! Donc, si nèg yo ta fè un bagay sérieux, m'bon garanti le fait que, ou kon n'est pas première délégation contre en Haïti. Délégation américaine, le sous-secrétaire, sot ap rentré tout récemment là, vin rencontrer avec Montana Penn. Ou pas, ouais, ou te dou, Baba Feinstein t'ap rentré, te gon délégation américaine qui t'ap rentré. Bon, comment fait délégation colombienne nan rentré, ou pas dans de way? Parce que bagay yo se a yu close en secret, se bagay tizan mi, ou pas kon ki garanti, ou pas kon ki garanti. Qui prend là pour libérer ou bien pas connaître comment pas jamais moi gagne un juge d'instruction qui finalement décide de prendre le dossier Jovenel Moïse va poser toutes questions pour combien de temps nous allons prendre dans prison pour combien de temps est-ce que pas des accords diplomatiques qui passent est-ce que pas l'autre accord qui passe vraiment pour pas connaître pour assouplir ça mon vivre ça colombien en vivre. Et par-dessus tout, je dis là, et gouvernement, Ariel Henry avec gouvernement, là, d'ailleurs, si Ariel Henry pas décidé, m'pa kwe ni Généus, m'pa kwe ni Beto Dossé, t'es qu'à décider d'en place Ariel Henry. Et j'aime douleur. Donc, ni Généus, ni Beto Dossé, ni représentant, ministre de l'Intérieur, là, y'a pas d'après décision pour d'où y'a pral ouvrir un canal de communication entre Colombiens avec famille. Ça, c'est Ariel Henry pour prendre décision, ça. Li pral mette communication, li pral mette moyens disponibles pour Colombien yo, carré les familles au Colombie. Donc, nous, nan ki sa nou pran la? Est-ce que nous, kote nou pran? Donc, nèg yo a fait toute façon là pour yo bay Colombien yo avantage. Yo a fait toute façon là pour yo garder comment yo kado domé un peu blanc et puis tout bagay yo a réglé. Bon, dis nous juste qui bon niveau malhonnêteté, gouvernement ça arrivé. Nous, sommes le arrêté Mario Antonio Palacios Palacios. Yo a arrêté le Jamaïque. Nous sommes, ouais, yon arrêté au premier suspect dans le dossier Jovenel là. Tout le monde pense qu'on va essayer de prendre le fait. Et puis, le pour yon mandé extradition par la chose vin Haïti, yon prend dossier extradition, yon pas respecté rien dans la procédure là. Yon pas respecté rien pour ta ouais, pour yon tabay, mais qui ça, pour yon tabay pièce justificative, mais qui ça par la chose te fait, mais c'est si, mais c'est là. Yon pour un petit avis de recherche. Yon prend un mandat, yon mette la dan, alors que DCPJ font un rapport détaillé.
DCPJ font rapport détaillé. Ministère intérieur gagne toute donnée sur rentrée nèg sa yo illégal en dedans pays. Youn bagay sa yo pa aller dans dossier par la chose. Youn bagay sa yo pa aller dans dossier extradition par la chose. Et puis jodi an la nèg yo yo dou comme ça y a fait tout ça yo connaît tout ça nan possible yo pour dossier Jovenel Moïse pour Jovenel Moïse je ne dis c'est qui bon Jovenel Moïse pas une justice avec nèg sa yo. Et si vraiment yo t'a fait un bagay qui sérieux, le arrêté par la chose, yo t'a fait tout ça yo connaît pour pas la chose rentrer en Haïti parce que si vous moun qui ka identifié par la chose pi bien qui ka bon détail sous ça qui t'est passé comment t'est passé est-ce que par la chose t'est là qui ça t'est fait comment t'est fait etc. C'est colombien qui t'est accompagné yo c'est l'autre colombien qui dans pénitentiaire national et si par la chose gè des informations ka bay c'est sous colombien haïtien ou américain l'autre haïtien ou té ouais etc. Yo fait tout moyen pour pas la chance pas rentrer dans pays c'est pas anodin c'est pas sans conséquence yo connaît exactement ça qui passé donc le plus vite possible que yo retire par la chance en Haïti pour information pas fuité pour information pas bas etc etc. Yo font façon yo pas prend par la chance yo fait États-Unis prend par la chance. Nous pensons c'est moi qui pas gain on assassinat fait comme ça soit assassinat c'est pour un bagage qui fait à huis clos c'est pour un bagage qui paraît suspect dans pénitentiaire national. Est-ce qu'on comprend? Donc tout monde là qu'on est bon président qui assassiné monde là qu'on est assassiné président Jovenel Moïse là dans le des suspects colombiens et puis il est beaucoup plus facile pour extradition en fait. Yo seulement pas de vle faire extradition que le palacios. Yo seulement pas de vle faire extradition. Bon, même besoin pas aller pour extradition Samir Andal ou bien John Joel Joseph ou bien comment l'autre l'en relé et Rodolphe Jean parce que qui ça? Yo assassiné Jovenel Moïse, yo était là en Haïti. Garde juste qu'il est Dodof qui était pays. Garde juste qu'il est Dodof qui était. Garde juste qu'il est John Joel Joseph qui était pays. Donc tout ça doit et donc comprendre seul green bagaille. D'autant ce gouvernement ça qui là nous pas même besoin espérer gon bagay qui pral fait en Haïti sous dossier Jovenel Moïse. Rencontre a fait avec Colombien. Si ça te dans intérêt nèg yo pour te dou mais qui ça mais pour qui raison rencontre là mais qui objectif rencontre etc. Ou t'a prendre tout bagay, yo t'a prendre ni public, yo t'a annoncer. Le fait que je dis hein, gouvernement haïtien bay colombien ou des garanties. Y a pas des garanties par rapport avec traitement yo pral ba yo par rapport avec plus traitement plus avantage yo pral ba yo etc. Mais il y a l'autre bagaille qui est extrêmement important c'est pas tout bon dou je dis là avec dans dossier ça même l'homme on a ba ou des informations par rapport avec ça le connaît ça l'apprend et parce que li nan gouvernement la travaille à côté nèg yo mais gen des bagaille si la république connaît yo c'est un choc la pi automatiquement. Nous, un pays qui a une stabilité politique, qui a des bagages, qui a des informations. Si on fuite, ce n'est pas une stabilité, c'est désobéissance civile qui a gagné tout carrément. Tout carrément, parce que les bagages ne vont pas prendre autorité dans le pays ou à faire. C'est un bagage qui doit le pays à fini. C'est un bagage qui doit, mon cher, ou pas vivre dans le pays, ou pas de monde qui prend des décisions pour, ou pas de monde qui dirige le pays. Donc jodi an la nous devons caler genou. Nous devons caler genou. Faut Ariel Henry Taba nous explication réellement. Pour qui ça c'est un secret la rencontre nèg colombien ça. Pour qui ça? Nous avons deux produits ça yo qui c'est gaz outil et gaban. Yo chaque vini dans trois phases, trois étapes, trois dosages. Yo chaque c'est pour un mois utilisation pour faire un traitement de 90 jours chaque. Nan gaz outil ya, c'est une pommade qui est faite à partir de 8 produits naturels, qui pral décalcifier corps cavernaux tissu spongieux pénis là pour augmenter élasticité tissu gaban. Il là pour optimiser santé générale. Il est composé à partir de 13 plantes médicinales et but ultime, c'est faire organisme produit en pile hormone testostérone qui pral barou sa yole libido. Il pral faire 120 plus fluide pour permettre une meilleure circulation dans l'organisme pour qu'à joindre une érection plus ferme. Pour plus d'informations, relevez 514-886-9776 www.zestofmoringa.com. Nous tournons après petit pause moringa, eh bien, n'a pas continué émission, n'a pas continué parler pays, n'a pas continué faire débat parce que là, nous trouvons nous dans une situation côté que nous avons bon assassin, bon criminel en dedans pays. Et ça j'en toujours dit, assassin toujours personne.
assassin toujours personne. Moi m'a demandé est-ce que c'est nèg politique ça, est-ce que c'est André Michel, Lionel Kassi, Marjorie Michel, est-ce que c'est réellement Edmond Supplice Bozil, est-ce que c'est moun sa yo qui fait partie, est-ce que c'est eux même seulement qui composent la population haïtienne là? Est-ce que c'est seul moun sa yo la vie yo important, la vie yo compte? Pour Jacques Lafontaine pas honte. Pour Jacques Lafontaine bouchi pas tremblé pour l'abdou, li gagné agent de renseignement qui dit que moun sa yo gagné la vie yo menacé, yo gagné complot qu'a fait sous tête yo et cetera, yo gagné prime sous tête yo jusqu'à fin mois, faut moun sa yo faut que yo ta éliminé, yo gagné complot pour éliminer moun sa yo. Alors que chaque jour moun a tombé Matissan, chaque jour moun a tombé Cité Soleil, chaque jour moun a tombé Badelma, chaque jour voler a théoriser moun, chaque jour kidnapper a kidnapper moun, viol collectif, viol individuel, y a violé jeune femme moun dans le pays, mais pas jamais un agent de renseignement qui dit rien. Mais quand il s'agit de nèg sa yo k'ap théoriser population, k'ap voler l'argent paysan, k'ap voler l'argent peuple, k'ap créer plus instabilité, k'ap financer insécurité en dedans pays a plus, mais le getan gagne toute information, la République getan en mouvement là, tout agent yo getan activé à chercher information, à chercher enquête. Est-ce que vous sérieux? Est-ce que vous sérieux? Et pourquoi on est tout bagay ça? Moi non non, on journaliste qui font trip côté que c'est gen un chef PHTK yo que qui nan collimateur DCPJ, DCPJ gen dossier sous li comme moun qui planifie assassinat moun sa yo autant de l'an de Michel et allié yo. Non sérieux, on nous garde réalité, on nous garde même le nèg yo t'a bataille pour pouvoir. Même le nèg yo t'a bataille pour pouvoir jodi an. Mais avant tout fait partie de un même gouvernement qui prend André Michel, qui prend PHTK, qui prend unité, qui prend fusion etc., qui prend vérité. Tout fait partie de un seul accord, tout fait partie de un seul gouvernement. Bon qui sépare pour gâteau ça t'a séparé pour André Michel t'a jeune plus pour nèg yo t'a besoin tout yel là. Est-ce qu'on comprend? Qui gâteau t'a séparé là? On nous pense André Michel t'a jeune plus que PHTK. SDP tam jam jeune plus que Michel Matéli, que le reste allié yo. Non, jodi an la, pour calmer le jeu, bien pour détourner attention sous l'autre information qui beaucoup plus sérieux, sous l'autre bagaille qui beaucoup plus important, tant qu'on a rien à rencontrer à Colombien, parce que tôt ou tard, faut que tu attendes que l'information ça tape public. Mais yo fait diversion. Ça yo fait diversion yo ye. Ça yo fait diversion. Parce que, ou bon SD, ou bon paquet vagabond, l'on prend de Michel. Yon passe 4 ans à déstabiliser un pays. Yon passe 4 ans à faire manifestation populaire, etc. En merde de moun. M'bata don fois quand elle dit que l'on a complot assassinat sous l'autre. Alors que Lou et Jovenel Moïse, c'est un gros criminel, c'est un gros dictateur. De go dictateur etc etc, mais ou pas jamais entendre l'annonce le gain plan et li agent de renseignement dit gain plan pour assassiner, mais jodi en nèg la nan pouvoir c'est moment ça pour besoin assassiner nèg la nan pouvoir la faire l'argent avec toute l'autre acolyte li c'est moment ça besoin assassiner yo. Donc mes amis peuple là ou trop clair bagay yo fait trop visible. Pas qu'il y a fait trop visible. Si je dis, nous besoin retirer l'opinion publique là, sous un bois pour nous mettre le sous nous. Nous besoin retirer le projecteur à son autre groupe, mon qui fait plus vox à le passer nous là en bas de table. Nous besoin mettre le sous nous. Que, pas de problème, parce que tout le monde connaît dans la République au commissaire du gouvernement qui travaille à l'affaire, il travaille pouvoir l'affaire, il travaille exécutif là l'affaire, dans le pouvoir judiciaire là, c'est ça lié. On job, on commissaire, job commissaire du gouvernement, c'est job exécutif lié. C'est ministre justice, mais toi c'est ministre justice qui révoque ou. C'est tout lié, son job tout lié. Donc ou obligé faire la lettre ça au doulan. Donc là, c'est nèg pouvoir qui a frappé, qui a fait propagande. Yo. Il y a moun ki pral di m konnen allié SDP yo, allié fusion etc. Est-ce que c'est le moun yo mouri pou ta kwè que yo te gen complot sou dou? Mais nèg sa yo, pa m di nou ki vérité gen des opposition en Haïti. Moi m pa jan oublié le ti blan ta tout te mouri, même allié SDP yo te pran avocat Caleb Jean-Baptiste qui te dou, c'est même André Michel Lionel Kassi qui touye yo. Pour qui s'en André Michel, je connais André Michel Badboudal, pour qui s'en André Michel, il n'y a pas de descendre par Port-au-Prince, il te font invitation voyez by Caleb. Tellement il respecte l'amitié ou te gagne, il respecte l'alliance ou te fait ensemble. Hein? J'ai André Michel, ça son arrogant.
Est-ce qu'on comprend la réalité? Des fois, l'ONN a besoin de détourner attention, a besoin de détourner l'opinion. Ils ont inventé n'importe quoi de bagaille, ils ont inventé n'importe quoi de bêtise. Si DCPJ gagne, yon chef nan PHTK nan kolimatel nan visuel nan sa ki gen pouwe avec complot bien tentative et bon et pas tentative complot qui gen là pour touye de Michel Nenel Kasiyali yo que DCPJ dou dossier a conclu dossier a clos etc. mais qui est-ce d'autres informations pas ka vin avec des noms que ka identifier qui facile pour identifier non nous pas prendre maniguet ça yo nous pas prendre diversion ça yo. Nous pas prendre la dedans, nous yon fait nous trop, yon fait nous trop abus, yon fait nous trop, yon fait payer à trop. Je dis en la moment arrivé, nous pas sympathiser avec aucun vagabond, nous pas sympathiser avec aucun gang. D'ailleurs, dès pour manger là, je chango, faut payer chango. Dès pour manger là, je chango, faut payer. Ou te choisi pour te chita avec un groupe nèg pour terroriser population, qu'on y a là même, non? Qu'on y a si gon bagay, pour manger là, je peuple, faut bailler la purée. Mais là, nous rentrons dans la logique, quand les nègres ont besoin de tester la population, pour voir si le peuple est avec eux toujours. C'est exactement ça. Il n'y a pas de question, tentative d'assassinat, il y a un Michel, etc. Ah, c'est déjà vrai. Nous croyons, nous, mais est-ce qu'on croit? Si vous croyez que les nègres ont besoin d'un Michel, vous avez un complot, ok, bah, réponse pour. Parce que moi-même, personnellement, je suis plus quoi que je rentre dans la logique pour tester la popularité. Yo. Parce que je dis, alors, regardez, je vais parler de André Michel. Où est-ce que vous êtes intéressé? L'aide a parlé, nous sommes intéressés, attendez, regardez. Non, il faut que vous montez compte de popularité. Yo. Donc, pour ça, il faut que vous venez avec un dossier qui attire le monde. Pour yon katire moun, eh bien nous même nous pas prendre à pas ça parce que nous connaissons comme en réalité en fait. Bon, jeudi en là, c'est jeudi saint, bah ouais, oui. Jeudi en c'est jeudi saint, demain vendredi, semaine 7 là, et ça c'est fini là. Et étant donné que nous pas préparé vraiment des séries de monde, des séries de famille, parce que d'habitude à chaque occasion de fête ça yo, chaque occasion qui marquait et société a, qui marquait tradition nous en Haïti comme peuple, comme civilisation. On est décembre, moun yo haïtien li toujours tient à ce que la caille li change rideau, li change drap, etc. Al peinture. Pour faire Pâques, vle pas vle, faut qu'il achète poisson salé, faut qu'il achète timorul et pour le manger avec famille, avec petite li, madame ni mari, etc. De même, l'opre, et qui l'autre fait encore? Ou pour faire des mères, etc. Nous pas de préparé, mon éditorial pas de préparé pour Pâques là, pour fête Pascal là, pour semaine là. Nous pas dans poisson, nous pas dans morune, pas dans pois blanc, dis ça encore. Nous pas dans betterave, nous pas dans durib là. Donc et fête vendredi séance, si nous t'ai préparé là pour mon éditorial, t'es passé bon côté. Mon éditorial pas passé parce que nous pas de planifier ça. Mais pour fête dernière là mes amis, préparez-nous, mobilisez-nous parce que nous pral arriver dans localité parce que nous t'ai fait un coup de pied déjà et situation mon pas trop bon, t'ai promettre que m'a pour faire passer mais si pour me passer là c'est pour faire des meilleurs pour aller font petit jeu avec mon yo pour aller accompagner femme yo maman yo pour nous porter bagage pour yo. Donc nous déjà annoncé nous ça pour période fête des meilleurs et faut me garder exactement qui joue qu'a fête des meilleurs pour nous aller on joue avant pour nous planifier tout bagage pour nous faire tout ça n'abgue pour nous faire et puis pour nous porter tout bagage baou en image. Donc préparez nous pour ça qu'a fête, pour ça qu'a possible, c'est ou même qui pour accompagner, c'est ou même qui pour supporter initiative là, qui pour supporter travail ça. N'a gagné pour nous faire. Maintenant, faut que nous parler, faut que nous continuer parler dans ça qui gagne pour avec les problèmes mondial yo et problèmes régional yo tout ça. Nous songe et t'es gon crise, t'es gon conflit qui t'est éclaté entre deux pays. Israël, Palestine. Bon, tout détail ça yo, on va joindre avec Guerrier Markenlove qui pral ba ou ensemble d'informations sur guerre, sur conflit ça qui oppose Israël avec Palestine depuis bien longtemps et jodi an là, yo continue pour pire dans conflit. Est-ce que c'est monde là qui en bouleverse qu'on dit là qui vraiment est à titi en troisième guerre mondiale parce que n'a vive si n'a vive moun nouye nous pas besoin seulement à intéresser avec ça qui gen pour avec Haïti ça qui gen pour avec acteur politique yo décision politique etc. Nous supposons informer nous pour nous connaître tout ça qui a passé dans le monde là et c'est rôle ça que espace international la gagne avec Guerrier Markenlove qui lui même n'est pas le bas tout détail yo en regarder
Bonsoir Yannick, bonsoir tout le monde. Moi content là en l'autre fois encore pour capable boter rubrique espace international là pour c'est Mark and Love Glagens Guerrier, coordonnateur jeune acteur pour les changements GHA. Je dis à la rubrique là, nous décidons de parler de conflit qui est entre Palestine et Israël. Il y a un conflit qui est un peu le monde qui pensait qu'il a très longtemps, mais pour qui ça c'est jeudi à nous décider de retourner sur lui. Eh bien, c'est parce que gagné plusieurs Palestiniens qui tuaient jeudi 14 avril dans une opération force israélienne en Cisjordanie, y a occupé depuis pas mal de temps. Donc, il y a 6 jours que après attaque ça et dans métropole Tel Aviv là, ministère palestinien et de la santé a lui-même lui fait connaître que y arrive jeune 2 jeunes qui mouri avec balle que attaque israélienne eux-mêmes ont été fait dans zone qui est les Jenin. Et selon communiqué yo beaucoup de par Israël lui-même yo fait connaître que l'armée israélienne yo été mené une opération contre terrorisme en Cisjordanie qui occupé ça fait pas mal de temps. C'est un conflit qui là depuis longtemps. Il y a monde qui pensait pour nous retourner dans la Bible pour qu'a expliquer son conflit religieux qui est entre deux parties. Et Jean que moi me fait lui, faut que nous ta font retourner pour nous comprendre qui ça qui passait. C'est plusieurs guerres qui toujours répétées dans entre deux parties ça. Conflit israélo-palestinien, les mêmes les commencé depuis 1948, dès la création même de l'État Israël. Donc, il y a une première guerre israélo-arabe qui était jetée en route pour permettre que capable gagner en pile réfugiés palestiniens et il était venu vraiment mettre mal à l'aise pour que il était capable partager la Palestine avec l'Israël. Et Israël lui-même lui vient agrandir frontière lui que l'État palestinien lui-même lui peut co-créer et territoire palestinien donc il vient diviser en deux ensemble. Il gagne la Cisjordanie à l'est et la bande de Gaza à l'ouest. Après premier conflit ça, gagne plusieurs tentatives qui essayent fait pour garder comment on est capable de résoudre le problème là. Mais tension toujours augmenté dans la région, hein? Surtout les que plusieurs États arabes voisins eux-mêmes ils viennent impliquer là-dedans. C'est ça qui pral vienne fait que pral vienne gagner la guerre des 6 jours en 1967, la guerre du Kippour en 1973 et guerre civile libanaise là, en 1982. Donc Israël lui-même est toujours soutenu par les États-Unis, ça qui vient permettre qu'il est toujours sorti plus ou moins vainqueur sous plan militaire. Mais situation n'est pas vraiment apaisée et il continue à faire tentative pour que lui-même soit capable d'élargir le territoire pays qu'il gagne et surtout pour être capable d'installer les colons juifs en Cisjordanie et partiellement occupé et puis qui administré globalement par des militaires israéliens surtout à partir de 1967. Et ça après elle vient créer des opposants. Donc et des opposants pour faire résistance face avec stratégie israélienne et puis pour elle vient gagner en construction de partis palestiniens qui pour elle vient faire face avec situation ça résistance palestinienne pour elle vient permettre que gagne deux mouvements politiques qui créer. Premièrement, c'est le Fatah, puis le Hamas. Le Fatah lui-même l'a créé en 1959 par Yasser Arafat au Corée. Et puis en 1967, il prend contrôle organisation qui est l'OLPA, Organisation de Libération de la Palestine, actuellement qui est dirigée par Mahmoud Abbas. En fait, mouvement politique militaire, ça a eu le temps de mettre sous pied un État palestinien. En 1987, et suite à première intifada qui s'est guerre des prières et qui menait par plusieurs civils palestiniens, le groupe Hamas pral vinn essayer prendre naissance li et puis qui pral vinn soutenu par des frères musulmans et qui fait partie des sunnites qui pral traduit vraiment yon réislamisation de société palestinienne pour permettre que capable faire face
avec plusieurs tentatives que Israël lui-même a fait. L'en considérer que l'Israël c'est une ville trois fois sainte qui liée qui regroupe ni les musulmans ni les juifs ni les chrétiens. Donc en 2006, il a été remporté élection législative sur la bande de Gaza. Donc il y a plusieurs tentatives diplomatiques qui fait pour garder comment on capable résoudre problème là, pour capable jouer en paix entre Israël et la Palestine, mais occasion est vraiment une certaine fois raté. Mais ça qui était plus marqué, c'est surtout avec accord Camp David qui était signé en septembre 1978, qui était pour proposer un règlement sur question palestinienne, surtout pour mener deux parties à une entente, une négociation, essentiellement un accord qui capable permettre que yo capable trouver la paix dans la région. Mais conférence Madrid 1991 là, lui-même lui conduit accord Oslo en 1993, poser premier pierre, on capable dire, ou bien premier jalon pour permettre que capable gon paix entre Israël et Palestine. Mais avec Égypte, États-Unis, et t'es vraiment gagné un poignet de main entre Yitzhak Rabin et Yasser Arafat à la maison blanche. Surtout ça pas vraiment porté une pacification entre les relations qui existent entre l'Israël et Palestine. En 2000, espoir même te paraître ensemble avec un pile force pour permettre que tu es capable de gagner une solution sur une rencontre qui était faite dans le camp David là. Mais toutefois, la situation était tendue, un peu le monde déçu, parce que mutuellement, pas vraiment de concession qui était faite. Et puis, quelques mois plus tard, déclenchement pour Alvin Gaye de seconde intifada qui pourrait le faire dans la région. Donc, il y a plusieurs autres tentatives qui essaient de faire, mais la politique israélienne, lui-même, envers Palestine, il commençait considérablement à durcir à partir des années 2000 avec une réponse systémique, violence, et que Palestine, lui-même, il utilisait souvent dans l'intervention armée. Et bon Gaza, lui-même, Israël décide de retirer 8000 colons et soldats de l'armée israélienne en 2005 après 38 années d'occupation, mais attaque toujours continue à mener officiellement sous couverture pour dire qu'il y a combat des terroristes qui c'est le Hamas, qui c'est groupe qui gagne dans la zone là en Palestine. Donc depuis 1948, guerre israélo-arabe, lui-même il contribuait vraiment avec un commencement de plusieurs millions de réfugiés palestiniens. Donc conditions de vie variaient vraiment en fonction des lieux d'accueil. Par exemple, ils allaient en Jordanie, en Irak, en Liban, en Syrie, Amérique du Sud, Europe du Nord, etc. Donc exilés à eux-mêmes, ils reconnaissent que ils ont un droit pour être capable de retourner à la caillou, et l'Assemblée générale des Nations Unies lui-même lui prend des résolutions pour voter pour garder comment ils capable appliquer un accord qui capable favorable avec réfugiés. Ça, il y a plusieurs obstacles avec PA parce que l'un considère statut Jérusalem gagné sur scène internationale là, ville Jérusalem qui vraiment divisée entre partie occidentale qui annexe vraiment par Israël et partie orientale qui comprennent que ville là sont anciennes villes liées et annexées par la Jordanie. Dès 1948, donc guerre qui gagne opposé Jérusalem Palestine, c'est pour bagarre qui facile pour nous comprendre qu'on y a si nous pas vraiment mettre chapeau religion en tête non. Donc c'est une raison qui fait l'ONU en 2015 lui proposer plusieurs processus de paix pour permettre que comment y a une résolution, est-ce que tous les parties yo capable exister sans yon pas essayer de dominer l'autre. Mais l'en considère que c'est pas stratégie politique ça que l'Israël lui-même l'a utilisé. Ça vient présenter un gros problème. Alors que division politique là lui-même lui vient bloquer toute tentative résolution ou bien conflit qui capable gagner dans société civile là, tant bon côté Israël que bon côté Palestine, et peut-être toutefois avec un espoir pacification qui capable gagner dans relation deux pays ça. Donc nous continuons à suivre actualité internationale là, toujours chauffée par l'autre conflit, mais conflit ça c'est un conflit stratégique
qui saccagé pendant plusieurs décennies Moyen-Orient. Nous te content pour venir parler en tout cas lui lui-même. Merci parce que nous t'ai accepté tendre, c'était Mark and Love Glorgens Guerrier qui était avec nous. M'a bon rendez-vous une autre fois. Merci. Mes amis, tendez ça. Ou c'est haïtien, ou remet pays ou et puis on agit. Mon éditorial. Entre désespoir, le machination politique et les non-dits, mon éditorial vous dit tout. Mon éditorial. Émission mon éditorial, c'est espace analyse, débat contradictoire sur tout détail sociopolitique qui a dominé le pays d'Haïti. Mon éditorial. Sauf si lundi pour y faire vendredi, depuis fait 2 heures, oui, chez Chanel Paola, pour qu'elle bien informée avec Yannick. Mon éditorial. Nous prenons la palépée, nous prenons le débat.